Alors vous allez sûrement vous demander pourquoi je laisse autant le trop longtemps. Tout simplement parce que la musique, vous allez en bouffer au début du jeu, mais pas dans le jeu lui-même. C'est-à-dire quand on va jouer, il n'y aura pas de musique. Donc ça va être très très austère, je vous préviens à l'avance. Voilà, donc on est sur Jungle Strike sur Mega Drive, un jeu qui a été porté sur Amiga aussi. On a donc la mission numéro 1 qui débute avec... Bah c'est écrit en anglais par contre, donc je vous laisserai traduire. Mais en gros, pour faire simple, il y a un réseau terroriste qui a pénétré les plus gros bâtiments de la CIA, enfin, tout ce qui tourne autour du gouvernement. Donc du coup, il va falloir détruire toute la guérilla, tous les terroristes. Et on est aux commandes d'un hélicoptère, comme dans le premier Desert Strike. Sauf que le premier Desert Strike, on était sur des théâtres un peu en Irak. Là, c'est vraiment... c'est beaucoup plus fourni. Déjà, vous pouvez le voir au niveau de l'introduction. C'est quand même beaucoup plus propre. Il y a eu pas mal d'efforts faits sur la mise en scène. C'est plutôt pas mal. Après, quand on rentre en jeu, c'est un peu pareil que le premier Desert Strike. À part qu'il y a des nouveaux véhicules qu'on ne verra sûrement pas dans cette vidéo, puisque la première mission étant très très longue. Et en plus, le jeu particulièrement dur quand même. Moi, je vais essayer de vous montrer un petit peu, voilà. Mais on ne risque pas d'aller très très loin. Je vais vous le dire à l'avance. Alors du coup, on va faire start. Enfin, on va faire start. On va essayer de passer à la suite, ouais, ça serait pas mal. Je sais même plus comment on fait pour passer à la suite. Ah, il faut déjà que je me mette sur le jeu, ça peut être beaucoup mieux. Donc, on va passer à l'introduction. Qui est très très bien, d'ailleurs, une bonne introduction. Alors, donc on a la mission 1, Washington DC, donc on est à Washington. On a... On peut avoir des copilotes, donc on a Mike Shera, si je fais B... Voilà. On a le copilote qui est Mike Shera. Là, bon, en fait, il raconte sa vie, on s'en fout un peu, par contre, on peut le changer. On peut choisir Scott Antonio. Alors, je sais pas forcément ce que ça va changer, ça c'est le MEA. Annihilator, je sais pas ce que ça change, hein. Concrètement, d'avoir un copieux différent. On va prendre... alors, Faceman, Antonio... Est-ce qu'on va le prendre, lui? Ah, j'ai pas l'impression qu'on puisse le prendre pour l'instant, ils sont pas tous débloqués. Donc on a le choix, en fait, entre deux... Enfin, Scott Antonio, tiens. On va aller voir les options. Les options c'est tout simple, c'est le choix en fait de comment on joue. Donc le bouton A c'est pour envoyer des Hellfire et Jink, B c'est les Hydra, C les guns. Alors moi je vais plutôt choisir de mettre les guns sur A, puisque c'est un peu bourrin et c'est ce qu'on a le plus en munitions. Control with Momentum, alors ça je sais pas ce que c'est par contre, avec ou sans. Je vais laisser avec Momentum pour vous ayez la version on va dire, de base du jeu. On va faire Start, et on va démarrer. Donc c'est le même briefing que l'on a vu juste avant, donc on va avancer un petit peu. Et donc c'est parti, on va décoller et on va faire directement la carte pour voir un peu où on en est. Donc vous pouvez le voir ici, on a une carte avec des monuments qui s'affichent, chaque monument étant assiégé en fait par les terroristes. On a des terroristes, on sait pas forcément où ils sont, on a une voiture avec des bombes dedans, donc ça c'est pareil, il va falloir les détruire au fur et à mesure. On a la position de l'agent Akbar, mais on sait pas où il est, les motorcades, les snipers ennemis, le MARV. Alors les MARV, c'est des véhicules de défense qui sont postés, comme vous pouvez le voir ici, là par contre, là sur la carte, qui sont postés sur certains bâtiments, enfin autour. On a des vannes d'attaque, et on a les réserves de fuel, parce qu'il faut savoir, je vais répéter ce que j'ai dit dans Desert Strike, mais la vidéo a tellement d'années que... Voilà. Donc à droite, on a l'armure... L'essence, le chargement et les vies. On a 3 vies. L'armure, bon, ne bouge pas. Par contre, le fuel bouge en temps réel. C'est-à-dire que plus vous avancez, vous faites enfin, plus vous avancez avec l'hélicoptère, plus le niveau de fuel, d'essence descend. A savoir que si vous tombez à 0, vous perdez une vie. Hein. L'hélicoptère se crash. Ensuite, au niveau de l'armure, pareil. Si vous tombez à 0, vous faites détruire l'hélico, donc vous mourrez. En haut, vous avez vos munitions, donc les Hellfire, les Hydra et les guns. Pour ça, j'ai mis le gun en premier parce qu'il y en a 1000, donc c'est bon, même si c'est pas beaucoup de dégâts. En fait,
Il faut adapter les armes par rapport aux personnages, que font les ennemis que vous avez. Si vous avez des humains qui vous envoient des choses, vous tirez avec les mitrailleuses. Si vous avez par exemple des gros véhicules, vous allez plutôt envoyer des hydras. Et quand c'est des gros véhicules, vous envoyez les Hellfire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis sur une touche, qui est la plus éloignée possible pour les Hellfire, pour pas tous utiliser. Donc là, regarde, sur la map, je peux voir donc voilà, les réserves de missions, on a dit. On peut voir aussi on a des véhicules en portant de la munition. Alors, ce qui est drôle, c'est que pour les récupérer, on est obligé de les buter. Génial. Les zones de landing, donc ça, c'est pas mal. C'est quand vous avez des otages ou des gens à récupérer sur la map, eh ben, vous pouvez les poser ici. Les monuments, je vous l'ai dit. Les missions en B. Alors, attendez, je fais start hein, parce que j'ai l'oreille bouchée, c'est horrible. Et donc, on a ici les missions. Donc, vous pouvez voir que pour chaque mission sont bien décrites. Hein. Typiquement, monument. Il faut protéger tous les monuments de Washington, donc il y a sûrement des terroristes qui sont autour, donc il va falloir les tuer. On a le quartier général des terroristes, donc il faut le trouver et le détruire. Il faut capturer le leader pour l'information, pour avoir plus d'informations à propos des plans futurs pour de l'ennemi. On a les fameuses voitures piégées qu'il va falloir trouver et neutraliser. Alors par contre, ils disent de pas tuer les innocents, de voitures innocentes. Le problème, c'est que pour savoir lesquels sont des civils ou pas, bon, mais bon courage. On a le agent Akbar, qui est un agent secret qu'il va falloir sauver. On pense qu'il est captif dans la base, dans une base. Il sait quand le président est où. Enfin, comment et où sera le. Enfin, et quand le président sera attaqué. On a donc la fameuse limousine du président. Il va falloir la protéger. Et enfin, on a l'ennemi sniper. Donc, il faut capturer le sniper. On peut voir qu'il est dans un bâtiment. Alors, je me suis amusé à chercher, parce que j'ai testé le jeu avant quand même, bien sûr. Parce que c'est un jeu qui vaut le coup, de toute façon, d'être essayé. Avant, parce que pour comprendre un peu tout. Parce que sinon, je vais perdre du temps dans la mission et je vais pas pouvoir remonter grand-chose. Mais en gros, voilà, il y a aussi. Il faut blast the building, but capture him alive. Ok. Et ça, c'est les ennemis qu'on peut rencontrer pour l'instant dans la partie. Donc le HARV Van Attack. Et là, c'est ce qu'on peut récupérer pour prendre de l'armement ou du fuel. Donc c'est parti. On va directement commencer par les attaquer. Donc sur la carte, hein, je remets sur la mode carte. On va attaquer directement le QG à gauche. Donc c'est parti. Alors le maniement, vous voyez, c'est assez spécifique. On pointe vers l'avant et on tourne gauche-droite pour pouvoir s'orienter. Bon, moi, j'entends pas grand-chose au niveau du jeu. Il n'y a pas de musique, comme je disais. C'est un petit peu dommage. Mais j'ai utilisé un truc. C'était en bas hein, qu'ils étaient. Hop là. Alors au début, c'est pas évident, surtout d'éviter les tirs ennemis. Par exemple, je me fais attaquer par des. Hey, là j'ai pris le. Oh là là là, ce qui m'a mis. Aïe, hey, là j'ai pris le. Voilà, c'est bon, j'ai tué les deux. Attention. C'est bon, j'ai tué un. J'ai tué le mec aussi. Et si je fais start, vous avez vu, j'ai perdu déjà la moitié de ma vie. Je suis à 510 et j'ai déjà perdu du fuel. Donc là, les squatters, c'est bon. On a en tout cas libéré la zone. On va maintenant essayer de libérer la zone au sud. On va passer par là. Ah, j'ai cru voir un truc là, c'est bizarre. Voilà, on va descendre un petit peu. Ouais, pour les éviter, je suis tellement allé comme un bourrin qu'en fait ils étaient tous face à moi. Voilà, par contre, il va falloir que je lui balance des. Hellfire. Et de deux. Alors, je vais quand même voir s'il m'en reste assez. Voilà, des Hydras, il m'en reste 16. Je dis Hellfire, mais c'est des Hydras. Et j'ai quasiment plus d'armure. Donc déjà, ça va être très compliqué. Alors l'avantage, c'est que j'ai réussi à avoir le deuxième. Maintenant, il va falloir que j'ai le troisième headquarter au-dessus.
Le problème c'est que là pour pas prendre un seul balle, une seule balle ça va être compliqué. On va remonter. Là par contre il y a une voiture. Je sais pas si c'est une voiture d'un civil ou pas. Et j'ai détruit une voiture d'une civile, d'un civil. Là on a un autre, là on a quelqu'un qui prend de l'essence, je vais pas le faire. Par contre j'ai 42 de fuel donc on va aller on va voir où est le prochain truc de fuel. Il y en a un à côté de la base en haut. Donc je pense qu'on va y aller, on va plutôt se mettre là-bas. Sachant évidemment que ça sert à rien de prendre du fuel si je sais que je vais mourir, hein, sachant que j'ai plus d'armure. Mais ce jeu est vraiment, vraiment, vraiment super dur, quoi. Là on a un hôpital, je sais pas trop à quoi ça sert. On va faire le tour. Là pour prendre aucune balle ça va être compliqué. Hein. Surtout qu'on va se taper les gros vannes ultra, ultra chargés. Là, si je détruis ce véhicule, j'aurai des munitions. C'est peut-être une bonne idée d'ailleurs de le détruire. Non, on va pas le détruire, vous savez pourquoi? Eh non, j'ai zéro hydra. J'ai zéro hydra, donc je suis obligé. Parce que j'aime bien les hydras en général, ça marche bien. Bon, bah là, je me suis fait instant kill. Il va réapparaître juste devant, hein. Attention! Un en moins. Deux, j'ai réussi à le tuer avant qu'il me tue. Le troisième, c'est bon. Est-ce qu'il en reste encore? Je sais pas. Alors là, vous voyez, j'ai toute ma vie. Par contre, j'ai plus de fuel. Et quand j'ai redémarré, j'avais plus de fuel. Donc en fait, ça a pas changé en fait. Il faut que je récupère de l'essence. Donc là, on va la récupérer ici. Voilà, et là, on est bon en fuel. Par contre, le squatter est pas fini. Hein. Il va falloir que j'aille le détruire. Tu vois comment... Aïe, il y a encore un ennemi, vous l'avez vu. Aïe. Je peux me prendre des bâtiments, hein. C'est-à-dire que si je touche les bâtiments, je perds un peu de vie. Et je suis encore pris un truc dans la tronche, 685. Donc vous voyez là, j'ai pas encore tout détruit. Je pense que c'est dans celui-là qu'il y a le dernier truc à faire. Par contre... Wow, il est là. Alors j'ai récupéré un truc, ah ça m'a tout remis, ça m'a remis de l'armure, ça c'est bien. Donc en fait si j'ai réussi une mission, je peux récupérer de l'armure, donc en fait ça me permet de pas mourir instantanément. Donc au niveau des missions, je vais faire B. Tac 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 tac, la première mission elle est réussie normalement, mais attends il y a la mission 2. Le gouvernement building est encerclé par des factions terroristes et utilisé comme quartier général, donc il faut que je trouve... Et je détruise le quartier général. Alors normalement il est sur la carte maintenant. Ouais il est en bas. Il est en bas. C'était le quatrième bâtiment qu'on n'avait pas vu. Donc on va aller le chercher. On va descendre, on va le chercher. C'est parti. Oui, il y a des... Mec il me tire dessus. Ça je peux le détruire. Je sais pas quoi ça sert mais je peux le détruire. Aïe. Waouh. Là je sais le tuer, c'est beau. Oh, il y en a encore là! Ouf, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Et ils font mal quand même, hein. Regardez, j'ai plus que 190 de vie. Ça, je sais pas ce que c'est. Les trucs bleus là qu'on peut détruire. Ah, ça fait exploser. Ah, en fait, c'est que ça. Ouais, c'est comme de la dynamite qu'on peut exploser. Par contre, là, je suis où? Je suis ici. Il me reste plus que 4 Hydra, donc c'est pas beaucoup. Mais je vais quand même descendre à l'autre quartier général. Alors, faut que je rate quand même si j'ai des carbombes, je l'ai pas. Fuel Dreams, j'en ai là. Ammo Crate, j'en ai un à gauche. Donc on va prendre celui à gauche. On va revenir un peu en arrière. Apparemment il y a des munitions par ici. Ouais, ce qui est dommage, c'est une petite musique d'ambiance. C'est vraiment le truc dommage. Il en a pas. On va redescendre. Ouais, on y est presque. Alors je vous dis franchement, je n'ai réussi que faire une mission. Hein. Lors du premier essai. Donc on va essayer de réussir la deuxième fois ça. Oh, il y a un truc là, c'est quoi? Ah, c'est encore une... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça change, le fait de détruire ça. Là, il y a une voiture. Attendez.
J'ai détruit une voiture de flic, c'est pas ce que je voulais. Ah, civilienne. En fait, d'après ce que je vois sur la photo, quand on fait la mission, ici, ça ressemble plutôt à un gros véhicule. Donc, je pense que si on voit un gros véhicule, c'est ça qu'on essaiera de tuer. On doit être pas loin là. Attendez, j'ai un petit peu du mal. Ouais, on doit être pas mal de la base. Pas loin de la base. Hop, un en moins. Oh là, on l'a esquivé, c'est magnifique. Ouh là, par contre, j'ai tapé le véhicule, le bâtiment trois fois. Oh, qu'est-ce qui fait mal? Non, ça va, je pensais qu'il allait faire plus mal que ça. Donc là, attendez, on est là. Carbone, on est là. Monument, on est là. Par contre, qu'est-ce que je peux faire ici? Parce que là, j'ai quand même fait le tour, non? On a un bâtiment là. J'ai de l'essence, hein, c'est pour ça que je fais un peu le tour. Là, il y a les flics. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Alors, quand même, au niveau d'essence. Ils vont me prévenir hein, si j'ai plus d'essence, de toute façon. Voilà. Oh, on me tire dessus. Alors, attendez. L'essence, il y en a où? Là, juste là. Il m'en reste 12, donc ça va. Par contre... Voilà, c'est bon. On va descendre parce que j'ai vu des gens là. Alors, du coup, on va regarder les missions qu'il nous reste à faire maintenant. Ça on l'a pas vu, ça on l'a pas vu, la jungle barre je sais pas. Ah, Miss Sniper, une mission from Madman. Capture de sniper, rien de... Ouais, ça par contre je suis loin d'en être là. Donc on va aller voir la statue. Ouais, j'ai fait les monuments, il me reste le terroriste HQ qui sont toujours occupés. Les bombes, 5 voitures avec des bombes. La jungle barre toujours captif. Toujours le limousine en danger et les snipers qui sont partout. Pour vous dire quoi, c'est pas gagné. Là par contre c'est là où je commence un peu à déjà être bloqué parce que je sais pas trop où aller. Je fais un peu le tour pour voir mais je vois pas grand chose. Attaque Vance. Man d'attaque j'ai pas. Miss Sniper on m'indique rien. Terroriste HQ, ben on a tous fait en fait. Ça le problème c'est qu'on a fait les 4 et c'est là où je suis un peu bloqué. C'est-à-dire que j'y suis passé sur les 4 et je vois plus quoi faire maintenant. J'ai l'impression de les avoir déjà fait. Carbon, ma jungle barre, ça je sais absolument pas où les trouver. Parce que j'ai encore des munitions d'ailleurs, ouais 50. Ouais c'est un peu là où je vais tourner en rond parce que je sais pas du tout où aller. Alors il met des petits points d'interrogation hein, dans le sens où peut-être qu'on peut tomber sur une voiture. Une voiture sur la route qui pourrait être l'ennemi, je sais pas. Mais là je sais pas trop où aller. Hein. Franchement, j'en ai aucune idée. Il me reste combien? 82 fuel. Ouais, le problème c'est qu'en plus, comme je me balade parce que je sais pas où aller. C'est peut-être celui-là, je crois que c'est celui-là. Oh non, c'est pas lui! C'était pas lui! Ah, je suis déçu, parce que franchement, par rapport à la photo, ça ressemblait vraiment. Là, on est où? On est à côté de l'headquarters. Franchement, je sais pas. Hein. C'est un peu là où je suis bloqué. Je sais pas du tout où aller. Si je vais là. Là, ça fait rien. Là, ça fait rien. On va retourner peut-être. Bon, je vais détruire tous les civils, hein, je m'en fous. Hein. Désolé, je sais pas si c'est un civil ça. Mais on dirait les mecs dans les jeux, quoi. Dans les films, ils savent pas tirer. Ils tirent tout à côté, sauf sur le véhicule. Eh, reviens! C'était un véhicule civil, c'est génial. Oh mon dieu. Alors, Library of Congress.
Ici, il n'y a rien. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'on pourrait faire là. On est où? On est ici. Oh, il y a des trucs plus au nord, hein. Peut-être qu'on peut voir là. Le fuel, j'ai déjà pris, donc je peux pas. Faut que je fasse gaffe, hein, parce que je suis plus à 48... J'ai plus que 48 fuel drums. L'avantage, c'est que je vais pouvoir aller à gauche, si j'en ai besoin. Mais bon, utiliser deux trucs de fuel pour ça, c'est quand même dommage. Et un bâtiment. Je sais pas ce qu'on peut faire là. Il y a deux zones. Là, pareil, hein, il y a un hôpital. Mais je sais pas ce qu'on peut faire ici. Si je vais à l'hôpital, il se passe quoi? Rien. Rien du tout. Ça, c'est une zone de largage. Par contre, on a vu un véhicule. Ah, ça, c'est pour la mini, c'est pour les munitions. Je suis obligé vraiment de regarder partout. Il y a quoi, là? Il y a encore une maison. Tac, 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 tac. On a fait péter ça, on est content. Aïe, en plus à chaque fois je tape les baraques. Bon, on va récupérer. Pff, ouais, du fuel, attendez, j'ai encore le temps d'en regarder un peu. Là, y a rien. C'est fou quand même, hein. Pas réussir à trouver certains trucs. Je vais tourner, je vais tourner. Je vais récupérer du fuel, de toute façon j'en ai besoin. Et j'ai bien fait de revenir là du coup. Hey, c'est bon? Je crois que je l'avais pas pris pour ça. Bon là, prochain truc dans la tronche, je meurs. Hein. On va avancer les hydras pour une fois. Ah, il me dit retourner à la base. On va retourner à la base alors. Bad mistake. Now l'ambassade n'est pas reconnaissable. Attendez. Non, je... Bon ben voilà, en fait j'ai fait une connerie, j'ai détruit un bâtiment, c'était pas le bon. Et du coup, faut que je recommence à zéro. Bon, enfin bon, vous avez compris. Bon, on va pas continuer un jeu, parce qu'il faut tout recommencer à nouveau, c'est un peu long. Mais bon, en bref, c'est un jeu qui a eu une bonne réception par rapport au Prince Astroid, parce que comme je l'expliquais, il y a un peu plus de trucs à faire. L'interface est un peu améliorée, il y a quelques nouveautés, c'est assez cool. Il y a des véhicules aussi terrestres qu'on peut piloter, où il n'y a pas d'histoire de fuel d'ailleurs. J'aurais aimé vous le montrer, mais malheureusement je suis pas allé très loin, plus que ça en fait, hein. Je suis pas allé plus loin que ça. Voilà, donc c'était Jungle Strike sur Mega Drive. Bah écoutez, si vous aimez ce genre de jeu, ça peut être pas mal, hein. Franchement moi j'ai bien aimé, même s'il y a des moments où, voilà, où je suis un peu perdu, je sais pas trop où aller. Là, je suis sûr que vous devez être en train de rager devant la vidéo, en train de me dire « Mais non, mais t'as juste à faire ça, c'est bon !» Mais honnêtement, quand on découvre le jeu, bah, c'est difficile de savoir forcément quoi faire. Donc on va pas aller chercher quelques petites solutions sur internet des fois, pour nous aider. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour d'autres vidéos, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde!